Comme vous le savez peut-être, l'organisme international Times Higher Education, qui classe les universités du monde entier, a sorti son classement, le principal classement de l'année pour cette année, où il a classé à peu près 2100 universités de par le monde. Et dans ce classement, où nous sommes présents depuis 6 ans maintenant, je suis fier, comme beaucoup de mes collègues professeurs, mais aussi nos étudiants et nos fonctionnaires, je suis fier que notre université soit classée pour la 4e année consécutive première université marocaine. Et au niveau mondial, nous sommes dans le rang à peu près 800 sur, comme je vous l'ai dit, sur 2112 universités. C'est un classement qui montre que beaucoup de travail est fait au sein de l'université, mais il est fait aussi dans la continuité, dans la constance. Et lorsqu'on remarque ou on regarde un peu plus en détail les critères de ce classement international, Times Higher Education, on voit que nous avons progressé dans presque tous les indicateurs de performance. Et bien entendu, c'est aussi une fierté que de voir que nous progressons dans, en termes de recherche scientifique, en termes de formation et en termes de positionnement international. Alors, nous sommes 6 universités marocaines classées. Donc, Sidi Mohamed Ben Adlan en première position, suivi de l'université Ibn Tufayl de Khnitra et suivi de 4 autres universités, l'université Mohamed V de Rabat, l'université Hassan II de Casablanca, l'université Hassan Ier de Stade et l'université Khad Iyad de Marrakech. Et bien entendu, mon souhait le plus cher, c'est que toutes les universités marocaines soient classées dans les prochaines années pour montrer que l'enseignement supérieur à la gestion scientifique progresse dans notre pays. Bien entendu, ce résultat est le fruit d'un travail, et d'un travail sur plusieurs années. Comme je vous l'ai dit, ça fait déjà 6 ans qu'on est présent dans ce classement international, et on est en train de booster de plus en plus la recherche scientifique dans notre université. Si on regarde par exemple le critère des publications indexées, on voit que chaque année, il y a une progression de 10 à 15% du nombre de publications. Donc ça veut dire que nos professeurs, nos enseignants-chercheurs, nos doctorants publient de plus en plus à l'international et dans des revues indexées, ce qui est très important. Et on attend dans les prochaines années une augmentation encore plus grande, vu que les décisions qu'on a prises ces 2 dernières années boostent, je l'espère, la recherche scientifique et l'innovation dans notre université. Nous avons consenti un effort budgétaire énorme pour la recherche scientifique. Nous avons aussi demandé à tous les doctorants, quelle que soit leur discipline, de publier au moins 2 publications indexées à l'international avant leur soutenance de thèse. Et lorsque je dis toutes les disciplines, ce n'est pas uniquement les disciplines sciences et techniques, mais aussi les disciplines sciences humaines et sociales, juridiques, économiques, sharia, sont concernées aussi par ces décisions. Et ça permettra à tous les doctorants de publier, d'être reconnus à l'international, et ça permettra aussi, in fine, à leurs universités de progresser dans les classements internationaux. Au niveau de l'innovation, nous avons un centre d'innovation qui est très très dynamique, et nous continuons à le doter de matériel scientifique performant, un matériel très lourd qui coûte très cher, mais qui est nécessaire
pour qu'on puisse faire de la recherche de pointe. On le fait chaque année et chaque année, il y a une dotation importante pour ce centre d'innovation. Dotation pas uniquement en termes matériels, mais aussi en termes ressources humaines. Et aussi, ça donne des résultats. C'est le nombre de brevets qui ne cesse d'augmenter au sein de notre université. Il a triplé en quelques années. Nous sommes aux alentours de 30 brevets annuellement. Et maintenant, un autre processus est en train de démarrer. C'est que ces brevets soient réellement mis en œuvre dans des entreprises chez nos partenaires socio-économiques. Voilà, ça c'est très important et on donne beaucoup, beaucoup d'importance à la recherche scientifique et l'innovation au sein de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah. Bien entendu, la formation est très importante. C'est notre première mission et nous avons, comme vous le savez, à peu près 100 000 étudiants dont on a la charge dans les 12 établissements de notre université. Et ce qu'on va faire dans les prochains jours, c'est juste après la rentrée universitaire, on va démarrer les assises de l'innovation pédagogique. Ces assises vont nous permettre de revoir en profondeur l'acte d'enseigner, sachant que cet acte d'enseigner, l'enseignement va changer vu les contraintes sanitaires. Et vu aussi l'expérience énorme qu'on a acquise durant cette pandémie, donc on a fonctionné énormément à distance, en hybride, mais aussi bien sûr en présentiel. Et donc ça veut dire que nous avons les compétences maintenant d'utiliser les technologies de l'information de façon très très efficace partout dans nos établissements. Et donc il y aura un saut qualitatif et quantitatif énorme après ces assises de l'innovation pédagogique au sein de notre université. Voilà, donc les deux domaines importants que sont la recherche scientifique et l'innovation et la formation sont considérés et traités. Et bien entendu, ils sont le classement international Times Higher Education tient en compte de ces deux missions importantes pour évaluer les universités dans le monde. Et bien entendu, notre souhait, ce n'est pas de s'arrêter là, c'est toujours continuer de progresser, de s'améliorer. Et Inch'Allah, on va faire de meilleurs scores au niveau international, au niveau continent africain et au niveau des pays arabes.